bonjour tout le monde. Bienvenue à la boulangerie du Guillaume. Aujourd'hui, nous faisons des pains au chocolat. D'abord, les ingrédients. 4 cuillères à café de la levure, une demi-tasse d'eau, 3 tasses et demie de farine, une demi-tasse de lait et 2 cuillères à soupe de lait, une troisième tasse de sucre, une cuillère à café et demi de sel, 3 cuillères à soupe de beurre et une tasse de beurre, 9 onces de chocolat et un œuf. Cette recette qui devrait prendre 195 minutes. D'abord, mélangez la levure et l'eau. Puis, ajoutez la farine, le lait, le sucre, le beurre, le sel, et mélanger pour 2 minutes. Après ça, la partie en se forme. Laissez-la reposer pour 3 minutes. Ensuite, roulez la pâte et laissez-la reposer pour 40 minutes. Mettez la tasse de beurre sur la pâte. Ensuite, repliez la pâte en 3 tiers. Répétez cette opération 3 fois et laissez-la reposer pour une minute. Avec un couteau, coupez la pâte en morceaux. Passez le chocolat aux deux extrémités d'épices et replez les extrémités ensemble. Préchauffez le four à 400 degrés Fahrenheit. Mélangez l'œuf et de lait pour faire un œuf à laver pour étaler sur les croissants.
pain au chocolat. Merci de me rejoindre dans ma boulangerie et passez une belle journée.